Non, non, ce soir, tu fais quoi là? Tu fais pas de la soupe de la viande? Non, je fais de la soupe de poisson que Romain m'a donné. Les délices des îles d'or. Oui. Voilà, soupe de poisson, de oui, poisson, bon, de roche. Oui, donc tu fais la pub, ce soir tu fais de la pub parce que... Parce que mes copains les pêcheurs, en ce moment, ne peuvent pas livrer les restaurants, et voilà. Allume le gaz. Ouais, mais pourquoi tu n'allumes pas le gaz? T'as tout foutu par terre. Par terre, tu es dedans. Oh. Je te raconte. C'est bon. Voilà, Romain. Il faut mettre un peu d'eau dedans. Je suis suqué. Mmh. C'est pour ça que je ne mets pas l'eau. T'es un suqué, ouais. Stop! Ne crie pas, les gars, il va croire que je dispute. L'idée, ne mets pas tout ça, c'est après. Voilà, c'est tout, que ça. Voilà. Donc ça, c'est... explique un peu, Néné. Eh bien, j'explique, c'est mon copain. Oui, non, mais d'accord, mais c'est des poissons, pourquoi... De Porquerolles, Porquerolles, l'île du Levant, et je leur fais la publicité, parce qu'en ce moment, les restaurants sont fermés, et ils n'arrivent pas à vendre leurs poissons, tu comprends? Leur bateau, il s'appelle le Calimero, mais en ce moment, il s'appelle le Restaqué. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont besoin de travailler. Ouais. Ils ont fait la publicité, que tout le monde... Et donc, ils peuvent... Ils vont au port. Non, mais ils vont au port. S'ils habitent à l'autre bout de la France, ils peuvent commander, les gens. Oui, il y a le numéro de téléphone et tout, là-dessus. Mais voilà. Tourne le... T'as dit le numéro de téléphone, moi, je vois pas. Non, là, il n'y a pas de numéro. Tourne. Oh là là. C'est les délices. Fais voir. Des îles d'or. Il y a le numéro de téléphone dessous. Voilà, c'est les délices. Il y a le numéro de téléphone. Desilesd'or.com et il y a le téléphone. Voilà, donnez-y le numéro de téléphone. Si vous voulez de la vraie soupe de poisson, des poissons de la baie d'hier, des îles de Porquerolles, voilà. Ben vous les appelez, vous leur commandez. Et bon, sinon, après, vous allez au Port-les-Bois, au port d'hier, ils sont. Le Calimero, c'est. Et quand ils sont en plein travail, ils vendent du thon. Non, mais c'est là qu'ils vendent, c'est avenue Gambetta. Mais là-bas aussi, sur place, ils vendent du thon, des espadons, des chapons, des langoustes, voilà. Et encore faut-il savoir où ils sont et à quelle heure ils arrivent. Voilà, mais ça, ils téléphonent, ils ont le téléphone. Non, mais tous les samedis matin, ils sont à Gambetta. Voilà, à Gambetta, au marché paysan. Au coin de la rue... De la rue... comment il s'appelle cette rue? La rue Jean Écart. Voilà. Voilà, au Fort Rouge. Au Fort Rouge. Ils sont là. Voilà. Ce sont mes poissonniers, mes pêcheurs, mes amis et tout. Il ne faut pas qu'ils crèvent la faim, non. Là, avec cette histoire de Covid, là, ils sont embêtés. Hein. Hein, voilà, regarde. J'ai préparé la rouille avec des croutons. Voilà. Et pourquoi tu devrais leur faire vendre ta rouille, Néné? Ben, je vais leur demander, moi. La rouille, la mienne, elle est bonne, la rouille. Hein ouais. Elle marcherait bien avec leur soupe à eux. Et ouais. Ah, ça c'est bon ça. Voilà. Voilà, mes amis. Alors n'oubliez pas de passer à mes copains les pêcheurs. Voilà, hein, on ne fait pas jamais de pub, mais là. Les délices des îles d'or. Les délices des îles d'or. D'accord. On ne fait jamais de pub, le mais là. Le numéro de téléphone. En fait. Moi, je ne vois pas le numéro de téléphone, il y est. Donne-y le je l'ai montré sur le bocal. Voilà, mes amis, n'oubliez pas de passer au pauvre petit pêcheur. Hein. Il faut que le bateau, il sorte du port. Hein. Il ne faut pas qu'il reste taqué, toujours. Voilà, le Calimero, pas le reste. Calimero, c'est pareil. Hein, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Eh oui. Calimero, voilà. Voilà. Allez. Allez. Bon appétit. Passez à eux. Il hein. Ne faut pas qu'ils crèvent le faim, mes copains les pêcheurs. Hein.